Regardez, il y a des bouches qui s'ouvraient lentement. Mais c'est la première entrevue que je fais avec Bloody Caesar. Ben, c'est vrai? C'est cool, je reviens. Tu peux venir demain si tu veux, y a pas de problème. Et je paye pas mon tab aussi. Hein. Non, ouais, non. Donc, ici, tu sais comment ça marche, hein? On est content. Content de te voir. Et la première question que j'ai envie de te poser, t'étais où? Il me semble que ça fait un bon bout de temps qu'on t'a vu. Il y a eu des spectacles et tout ça, mais il me semble qu'on t'a moins vu. On était en tournée depuis février. Ouais. On a fait comme un tournée en trois différentes étapes. Première étape, c'était le tournée canadien avec Collective Soul. Première partie, plusieurs spectacles dans l'ouest du Canada. C'est ça, une douzaine de Colombie-Britannique jusqu'à Londres. Ouais. Puis après ça, la deuxième partie a commencé, c'était notre tournée ici, le festival. Puis tous les artistes canadiens au Québécois, ouais. on travaille les festivals. Puis c'est notre bread and butter. Hein. Et tu as participé à ça beaucoup durant l'été, toi? Oui, oui, beaucoup. Puis... la troisième partie et la partie finale, c'était en septembre, on a bougé, we moved into the theaters, les théâtres. Dans le théâtre. Et là, ça se termine, entre autres, cette portion de tournée-là, à Montréal, samedi, oui, au Métropolis. Oui, c'est ça, le 25. Pourquoi tu le disais avec un grand sourire? T'as comme hâte à ce spectacle-là? Comme, oui, vraiment hâte. Honnêtement, ça fait longtemps, ça fait presque un an et demi, plus que ça, plus qu'un an et demi qu'on a joué à Montréal. Puis c'était le Centre Bell. Ouais. Puis cette fois-ci, on est prêts. Ça va être quelque chose aussi. Rock. Ouais, c'est ça. Tu le disais tantôt. C'est aussi c'est le nouveau groupe. Hein. Ça, ben, fait, ça fait plus qu'un an qu'on a un nouveau groupe, mais on n'a pas joué à Montréal. Alors, et là, tu vas le présenter. J'allais t'en parler parce qu'il y a à peu près quoi, un an et demi ou à peu près, il s'est passé beaucoup de changements. Il y a eu plein de choses autour de toi qui sont passées. Et là, tu as comme un nouveau départ. C'est comme un second souffle, en fait, là, qui se passe. Oui, c'est ça. C'est certainement ça. Les prochaines six mois qui sont en face de nous, ça va être déterminant, ça? Vraiment déterminant. Pourquoi? Un, parce qu'il y a le nouveau band, une nouvelle équipe autour de toi. Oui, c'est ça. Nouveau équipe. Puis une nouvelle inspiration. Je pense que avec les deux premiers albums, c'était un expériment. Ouais. Une expérience. Oui, une expérience. C'est ça, puis donne le guitariste une guitare, hein, il arrête pas de jouer. Curry a comme des fourmis dans les doigts depuis tantôt. C'est ça. Il y a une chose qui n'a pas changé, c'est cette complicité-là, et ça, c'est ce qui fait que vous êtes encore tous les deux encore aujourd'hui. Oui, c'est 12 ans, c'est un mariage maintenant. Oui. C'est un beau mariage. Ouais, la cérémonie, c'est quand? Est-ce qu'on peut être invité ou... The marriage? Non, 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 pas de bague. Pas de bague. I don't like the relationship that tight, you know? Non, sérieusement, les deux premiers albums étaient... Et pour nous, on trouvait notre son, je pense. Le premier album, c'était un peu plus racine, mais un peu moins atmosphère, avec une atmosphère moins live. Ouais. Le deuxième, c'était un peu plus dans la production Nickelback style. Ça prenait un son à ce moment-là qu'on cherchait absolument. On a un son sur la scène. Ouais. Et c'est un son qu'on essaie de trouver en studio. Je pense que celle-là, le troisième, c'est plus ça. On écrit avec ça, on compose avec ça, dans notre tête. Mais de faire la transition, par exemple, entre le son que vous avez sur la scène et de l'amener en studio, c'est pas évident, ça, de recréer cette magie-là. Ben, c'est ça. Alors maintenant, on vient juste de commencer à composer, ça fait comme trois semaines. Ouais. Puis... puis on compose avec ça, ça c'est l'intention. Et vous avez une bonne idée de ce que vous voulez faire, là? Ah oui, c'est débile. Après trois chansons qu'on a déjà composées, quatre chansons, on est comme, straight ahead. Il y a un filon, il y a quelque chose. Pour nous, honnêtement, I don't want to talk too much, but it feels like our album, the album. Enfin, finalement, ce sera peut-être l'album. J'espère. Tu le disais tantôt que sur la scène, il y a un son de Jonas avec les boys et tout ça. Moi, j'ai envie d'entendre un peu de musique, vous autres. Ouais! Comme ça,
It's live! Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Faites un petit medley de plusieurs ouais, de succès? Ouais, c'est ça, ou... on va faire. Ouais, ben, you know, écoute. On va écouter. Ça, c'est-tu parce que tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire, là? Non, ou... c'est ça, aucune idée. Ah, OK, c'est bon. Jonas, dans le retour! Jonas, il est encore ce soir. Et tantôt, là, t'étais comme parti. T'as fait le medley, là, t'as commencé à faire des petits moves. T'étais comme presque réchauffé, là. Ouais, c'est ça. Y a-tu des moves que tu fais sur scène qui t'énervent? Y a-tu des choses que t'es pas capable de contrôler? Est-ce qu'il y a des moves que je fais sur la scène qui t'énervent? Pas moi. Vous autres non plus, hein? Ouais. Non, mais toi, des fois, tu fais comme « Ah non, j'ai encore fait ça. » Mais honnêtement, je pense pas quand je suis sur la scène. C'est naturel, you know? Quand je regarde les replays, sometimes I'm like « OK, I gotta drop that. » Lequel, par exemple? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. I think it's... c'est trop X-rated. Penses-tu que c'est vraiment comme ça? Ben non, il y a quelques-uns qui sont comme un tic, you know? Ils reviennent. It looks like a tic, you know? Yeah, more than anything. Puis j'imagine que tu ferais Corey une fois de temps en temps avec ces moves-là aussi. Absolument. OK, c'est correct. Yeah, c'est ça. Il y a le spectacle en fin de semaine à Montréal, au Métropolis, le 25. On dit que c'est peut-être un des derniers spectacles avec un bout de temps, alors qu'il y a d'autres personnes qui disent « Attention, la tournée pourrait se prolonger pour avoir d'autres spectacles après. Ben, » C'est quoi les nouvelles là-dessus? C'est pas vraiment que ça va être prolongé. On a une autre show, on fait le Coupe Grey. Oui. On fait le go house. And woo! On fait le coup gris. Ouais. Le tailgate party avant. Puis sinon, après ça, honnêtement, c'est comme c'est on travaille fort après, sur l'album. Oui. Hein. Oui. I mean, honnêtement, si quelqu'un nous offre, you know. The right money. For the right money, money tax. C'est une vraie question d'argent ou c'est plus par le plaisir, surtout d'abord et avant tout? C'est le temps d'arrêter la tournée. Ouais. On a fait, you know, notre 8 mois de tournée. Puis maintenant, c'est le temps pour un peu de nouveaux matériaux. Puis commencer à travailler là-dessus. Et tout exact. Ça. Est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur que tu vas amener pour venir travailler ou c'est encore la même gang avec qui tu es habitué de le faire pour le prochain album? Comme toujours, ça change à chaque album. Et non, c'est un peu tôt dans le processus pour parler exactement c'est qui là-dedans ou non, mais Corey et moi, on est comme old school, genou à genou avec le recorder, avec notre iPod enregistreuse. C'est l'accent de Québec, ça. Enregistreuse. Puis oui, on vient juste de commencer de composer, alors on a quelques mois de ça, juste ça. On prend un petit vacances de 2 semaines en janvier, puis on revient et hit the ground running. Ça va être bon encore une fois. Moi, j'ai déjà hâte d'entendre le nouveau matériel. Les gars, merci beaucoup d'être venus voir aujourd'hui. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Bon, Métropolis, Montréal, c'est samedi, Jonas. On va faire un tour, on va voir le spectacle en attendant les nouvelles tours. Est-ce qu'on pourrait entendre une nouvelle chanson en fin de semaine? Samedi soir, non? Une nouvelle chanson? Samedi soir, non, samedi? Beaucoup de pression. I'm sorry, I came now. Non, mais je te pose la question, ça serait peut-être une surprise. On verra. Il y aurait quelques choses que comme ça, c'est comme t'as les moves jamais vu. Comme les moves qu'on contrôle pas. Oui, c'est ça. Merci, Jonas. Merci beaucoup, Chris. C'est gentil. Merci infiniment. On va aller voir maintenant Jean-Pierre Gravel, qui est toujours à l'espace Bel Arte. Jean-Pierre, comment ça se passe?